Bon, on va se faire un café en vrai, j'ai trop faim. J'ai trop faim pour un peu. Et elle est bien cette scène quand même. Hein. Elle est bien. YouTube, ça sera un épisode un peu long, en vrai, je pense. Je pense que ça sera un épisode un peu long parce que je vais pas le cut, parce qu'il y a quand même eu un petit peu de blabla au début, genre ça commence au bout de 10-15 minutes. Je me suis arrêté de temps en temps pour envoyer des messages, pour savoir comment ça allait, etc. C'est pas mon fort, les relations humaines, c'est vraiment pas mon fort, donc c'est très difficile pour moi. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Alors, on a réussi ce jet là du coup. Donc on sait que voilà. On sait que voilà. Et là, on peut remonter par là. Normalement on est safe. Relativement. Ouais, on est safe. Alors ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va remonter. On va se soigner. Et on va repartir à l'intérieur. Je me soigne comme ça. Lindsay va récupérer ses sorts. Donc je pourrai re-soigner à nouveau. Ça soignera pas les blessures mortelles. Mais ça peut aider. Allez, on repart. C'est parti. Once I return to Numeria, I don't know what I'll do there. Maybe I'll find my former owners and grind them to dust. Or maybe just walk the streets as a free person. I just need to get back and close that chapter of my life. Ok. Bah, si tu veux partir, pars, mais il me faut un magicien pour te remplacer. Ok, c'est parti. Comment elle a été soignée? Comme on a pu, en vrai, Lindsay n'avait plus de sort de soin, donc il n'y a que le repos qui a soigné, ça soigne pas énormément. Donc on y repart. C'est parti. C'est parti. Il faut que j'aille apporter les livres à Boken, mais je sais pas où il est Boken. Je sais pas s'il est au comptoir d'Oleg ou pas. Du coup, on va aller ici. Que j'ai exploré tout le reste hein, normalement. Ah c'est pas G que je voulais faire, c'était F, voilà. G ça stoppe les personnages, donc si tu te trompes ben, tu arrêtes d'avancer, c'est chiant. Il y avait rien hein, sur la map à prendre. Non, j'ai tout pris, j'ai tout ramassé. On a les trois livres du coup pour Boken. Un bois de cuir couvert de runes anciennes, un bois de cuir couvert de texte, un bois de cuir couvert de texte. C'est pas les mêmes du coup. Ah. C'est pas les mêmes. Merde. Toi, j'espère que le fait d'avoir baissé le son, ça a enlevé l'époque sonore. Ah, ça pue du cul ça. Oh là, ça pue du cul. À mesure que vous vous approchez de la barrière, vous entendez un murmure qui se fait de plus en plus distinct, jusqu'à ce que vous en saisissiez le sens. Il répète encore et encore. La porte s'ouvrira pour le plus fort.
terrassait les monstres, obtenait la clé du donjon. Elle est cachée sur la rive entre deux rivières qui se jettent dans le même lac. Trouvez-la et revenez. La porte s'ouvrira pour le plus fort. Ok, donc il me faut une clé. Très bien. Donc, entre les deux rivières où... qui se jettent dans le lac. Donc le lac, c'est à côté, j'imagine. La clé, c'est peut-être d'ailleurs la boîte. Une sorte de sarcophage qui... c'est peut-être tout est lié. C'est peut-être le jeu, peut-être bien fait. Hein. Probablement, d'ailleurs. Le jeu est probablement bien fait. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'ils sprintent même pas de base, ces bâtards. Hein. Faut que je les fasse sprinter, moi. Eh, les bâtards. Les bâtards, bâtards. Quand il y en a marre, il y a les bâtards. Alors... Est-ce que les 4 jours sont passés? En vrai, avec le sommeil, il y a moyen. Donc, entre les deux rivières qui vont dans le lac. Donc, on a quoi? On a un lac ici. On a un lac là. Ça peut être par là aussi. Hein. Deux rivières qui se jettent dans un truc. Parce qu'après, des lacs, on a quoi? Pas grand chose, mais j'imagine que c'est un lac qui est à proximité quand même, sinon ça serait pas forcément très bien fait. Ah, j'imagine que c'est ça, et c'est soit au bosquet, enfin au village du lac Margenjanté, soit genre là, si on peut y aller, c'est pas sûr, soit de l'autre côté ici, soit tout simplement. Non, attends, y a un truc. Ancienne mine, c'est déjà fait. Hein. On va aller à Val-Défense, on va rentrer. Je vais reposer mes persos parce que du coup j'ai le chien et Kondayo qui sont blessés, gravement. Donc ça veut dire que prochaine chute ils peuvent mourir, définitivement, et j'ai pas envie. Parce que ça m'obligerait à recharger encore, donc ça serait long. Pourquoi il y avait un vieil écho? Genre vraiment comme si c'était enfermé dans une caverne. Je pense que le jeu a pas capté qu'ils étaient sortis et c'est un bug de son. Possible. J'ai un petit peu froid. C'est la fatigue. Il faut que je mange aussi. Je suis un petit peu trop affaibli là-dessus. Manger, c'est important. Même quand, comme moi, on n'a pas envie de manger, qu'on a des difficultés à avaler, qu'à chaque fois qu'on mange, eh bien, on fait un combat contre soi-même pour essayer de pas crever. Il faut quand même manger. C'est très important. Alors, hop. 1400 livres de bordel. Et ouf. 4700 balles de bordel! Attends, mais il y en a combien de ça des fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Ah, je les ai peut-être tous en vrai. Oui, bon. Marché conclu. Bleh. Allez, on va aller. Du coup, on va repartir ici. On va aller parler au petit vieux qui va nous raconter une histoire, probablement. Et voilà quoi. Je sais pas si vous l'avez entendu, le câble sur. Ouais, ça s'entend. Ouais, ça s'entend, ok. Faut que je fasse gaffe quand je bouge, du coup. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce que j'ai fait encore? L'épidémie continue, les morts sont de plus en plus nombreux, et les monstres pullulent sur vos terres. Une partie de vos sujets a déjà fui pour se mettre en sécurité, l'existence même de votre baronnie est menacée. Il y a quand même de bonnes nouvelles. J'ai réussi à rassembler des informations qui, je l'espère, vous aideront à éradiquer la menace avant qu'il ne soit trop tard. Ok. J'étais pas au courant qu'il y avait une épidémie, genre... On n'a jamais parlé jusqu'à maintenant. Depuis le début de l'épidémie... Les signalements de gobelins se multiplient. De nombreux témoins affirment les avoir entendus se réjouir. Apparemment, les créatures évoquent le jour de gloire de la Machetou. Lorsque tous les humains auront été dévorés par des monstres et qu'elles seront les seules à rester sur ces terres. C'est inquiétant, vous ne trouvez pas? Alors la Machetou. Surnommée la mère des monstres, la maîtresse de la folie ou encore la grand-mère cauchemar. Et la déesse de la folie, des monstres et des cauchemars. Normal. Elle est la seule reine démoniaque à être devenue une divinité à part entière. Elle est la génitrice et la protectrice d'un grand nombre de créatures difformes qui rampent, glissent ou volent à la surface de Golarion,
ou en dessous. Son symbole impi est une tête de chacal à trois yeux qui peut être représentée dans différentes façons et son animal sacré est le chacal. Alors, que sont-elles? C'est une des anciennes et extrêmement malfaisante qui apparaît encore plus pertinent, moi, ses fils se comptent principalement parmi les races les plus monstrueuses, à savoir les gobelins, les lamis ou les gnolls. Cela étant dit, elle possède aussi son lot de sectes secrètes, notamment au sein du royaume fluviaux. Les gobelins sont derrière ce désastre? D'ailleurs, j'en doute, mais s'ils en bénéficient, c'est fort probable. Je suppose que ce désastre est à imputer soit à des fidèles humains de la Machtou, soit à une créature surnaturelle qu'elle aura engendrée, ce qui serait encore pire. Quoi qu'il en soit, les gobelins en savent probablement assez pour nous mettre sur la piste. On va aller devoir trouver un gobelin important et voilà. Malheureusement, non, c'est la panique générale. Mes agents ont dû prendre leurs jambes à leur cou quand les villageois les ont pris pour les espions. On a cru qu'ils venaient empoisonner l'eau du puits, vous comprenez. Et un peu plus, ils finissaient tous à corde au cou. Tout ce que nous savons, c'est que la baronnie habite quelque part un vaste village gobelin. Mais je crains que vous devriez le trouver par vous-même. Ok. Joel est avachi. Il a les yeux injectés de sang. Les rides de son visage se sont creusées et ses cheveux clairsemés ont viré au gris. C'est un désastre, votre grâce. Une épidémie est en train de gagner tout le pays. Les victimes sont d'abord frappées par une fièvre, puis une toux sanglante. Ça aurait été bien de me mettre le texte dans l'ordre, en fait. Parce que ça, j'imagine que c'est le texte que j'aurais dû avoir avant. Mais ils m'ont filé les deux trucs d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Les victimes sont d'abord frappées par une fièvre, puis une toux sanglante. Quelques heures plus tard... Et il y a pire, le corps se transforme ensuite en une sorte de cocon. Des monstres en éclosent. Alors que l'on déplore chaque jour une nouvelle victime, nous ignorons tout des origines du mal. Et je ne vous parle même pas d'un moyen de le contrer. Tristian et moi avons établi un hôpital de campagne dans les bâtiments de l'ancienne prison. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas comme si nous avions eu le choix. Franchement, nous sommes déjà heureux de pouvoir en disposer. Et pour faire court, une patiente s'est portée volontaire pour une tentative de vivisection. Nous allons l'opérer vivante, vous comprenez ? Afin d'essayer de déterminer la source de la maladie. Après l'opération, puisse Erastine nous pardonner, nous espérons pouvoir panser les plaies et lui permettre de survivre, avec de la chance. Quoi qu'il en soit, nous n'agirons pas sans votre présence, votre grâce. Je vous souhaiterai donc gré de trouver le temps d'assister à notre tentative. Encore une chose, cet âne batté de Kesten vous a fait parvenir un message. Il va de village en village ces temps-ci. Pour toute nouvelle, nous recevons que ses lettres. Bref, je vous invite à prendre une connaissance. Je parie que c'est urgent. Je te questionne. Que sommes-nous à cette maladie? Quasiment rien, à l'exception des symptômes principaux. Édition ou un parasite magique. Ok. Êtes-vous proche de soigner la maladie? Comment vous répondez? Bien non, pas du tout. Nous n'avons pas réussi à sauver un seul malade. Nous avançons complètement à l'aveugle, sans rien pour nous guider. Il s'avère que nous avons un expert en vivisection sous la main. Faites chercher Bartolomé Delgado. Très bien, vous avez raison. Le personnage est particulier, mais ses connaissances sont indéniables. Il pourra peut-être nous aider. Je suis obligé d'y aller maintenant? Bon, allons-y. J'ai pas eu le temps de m'occuper du royaume, en fait. J'aurais aimé, mais j'ai pas le temps. Est-ce que je me suis soigné au moins? Je sais pas. Hein. Ah, je me suis pas soigné, putain. Voici notre hôpital. Si la prison n'est certes pas l'endroit le plus adapté ni le plus sain d'ailleurs, c'est toutefois mieux que rien. De plus, mes propos vous paraîtront peut-être cruels, mais compte tenu de la nature du fléau, il vaut mieux garder les malades derrière les barreaux, jusqu'à leur guérison. Où sont passés tous les prisonniers? À notre arrivée, ces prisons n'abritaient plus qu'une poignée de voleurs et à la petite semaine. Nous leur avons fait nettoyer les lieux avant de les libérer. Tout sauf un redoutable coupe-jarret que nous ne pouvons décidément pas relâcher dans la nature. Alors, qu'est-ce que t'as essayé? La batterie de sort habituelle pour soigner la maladie, neutraliser le poison et lever éventuellement les éventuelles malédictions. Tous se sont avérés inefficaces. Même problème lorsque j'ai tenté de dissiper la magie. Je crains que nous soyons confrontés à une malédiction dont la puissance surpasse le pouvoir de notre propre foi.
Ce n'est pas une question de foi. Je doute que nous ayons affaire à une maladie, sans parler d'une malédiction, si puissante soit-elle. Je soupçonne la présence d'une sorte de parasite niché quelque part dans l'organisme de la victime. Baliverne ! Nous avons décelé une magie diffuse uniformément répartie dans tous les tissus des malades. S'il s'agissait d'un parasite quelconque, nous l'aurions repéré plus longtemps. C'est donc qu'il est capable de se camoufler, voilà tout. Peut-être même empoisonne-t-il le sang de ses victimes avec sa magie. Au nom du soleil, nous ne ferons que tourner en rond. Nous ne faisons que tourner en rond. Cela fait des jours que ça dure. Cessons de chicaner et essayons plutôt d'agir. Qui est notre patiente? Madla Stasek, une paysanne de la région. C'est le premier cas à s'être déclaré dans son village. Prions pour que cette pauvre femme s'en sorte. C'est la première à avoir le courage de se porter volontaire pour l'opération. Nous devons tout faire pour la sauver. Où l'opération doit-elle avoir lieu? Eh bien, voyez-vous, cette pièce serait autrefois de salle de torture. Et comme elle était déjà équipée d'une table... Parfait. Je n'ai que faire d'une salle de torture, de toute façon. C'est bien ce que je pensais. Allez, si vous tenez, faites vite. Ok. Ok, très bien. Donc on a un prisonnier ici. Donc ils ont oublié de fermer les portes, hein. C'est quand même... Oui, non, mais... Ouais, mais ta porte est pas fermée, en fait. Hein. Ok, donc la dame est là. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de combat, parce que là, j'ai uniquement un Saïkron qui est même pas soigné, donc... Bonjour, toi. Dès qu'elle vous aperçoit, la patiente, une paysanne entre deux âges, au teint rougeau, cligne des yeux de Narbaï. Ça alors, sa grâce en personne, viens voir, bon, qui vient à mon chevet, enchanté. Je me présente, Madla Stasek, de la Jonchée. Vous croyez que vous peut-être vont réussir à me soigner? Avec l'aide des Rastilles, il faut croire que oui. Suffit de la garder. Mais d'avis qu'ils n'ont pas les deux pieds dans les mêmes sabots, ceux-là. Comment vous sentez-vous? J'ai de la fièvre, j'arrête pas de tousser et je peux plus rien avaler. Avec ces nausées qu'on finisse pas. Mais bon, j'ai connu pire. Figurez-vous que j'ai survécu à 6 accouchements. 6! N'empêche que j'emmène pas large, là, tout de suite. Au moindre picotement, je me mets à trembloter et je me dis, ça y est. C'est la fin, ma pauvre Madla. Tu vas finir en charpie. Parlez-moi de vous. Bah, y a pas grand-chose à dire, on est des gens simples, on mène une vie simple. J'ai passé toute ma vie à la Jonchée sur les berges de la Gudrin. En aval du lac Marge Enchanté. Ok, donc elle vient à côté. Ok. Donc elle vient du village où il y a la boîte. Très bien, donc je pense que c'est justement parce que j'ai avancé les quêtes de la boîte que j'ai eu tout qui s'est déverrouillé d'un coup. D'accord. Donc probablement la boîte qui est maudite. J'ai élevé mes enfants, puis mes petits-enfants. Dans le temps, on voyait jamais des monstres, à part des gobelins. Mais de nos jours, ça grouille d'hydres et d'oursibous dans le coin. C'est pas faute d'avoir prié les dieux d'épargner notre village, mais non. Il a fait que ces saletés de maladies me tombent dessus. Pourquoi vous êtes porté volontaire pour cette opération? À vrai dire, je tremble comme une feuille, mais bon, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Pour moi, c'est l'opération de la dernière chance, et puis comme ça, les médecins trouveront un remède à cette fichue maladie. J'ai rien d'une héroïne, mais il faut savoir penser à son prochain, des fois. Si j'y passe, peut-être que ça permettra au moins de sauver d'autres victimes par la suite. Quitte à mourir, autant que ça soit pour la bonne cause, pas vrai? Cette paysanne a plus de principes et de jugeotes que la plupart des PNJ à qui j'ai parlé, même de certains personnages. On va commencer. Donc vous êtes dans les parages, j'ai rien à craindre. Bah au moins si le monstre sort, je peux lui péter la gueule, en espérant que ça soit pas trop fort, quoi. Excusez-moi, je prends des trucs. Donc il y a Bartholomé qui est là, très bien. Alors ça va pas être Jojo, hein, parce que bah, clairement c'est une opération sans anesthésie, hein. Il n'y a pas d'anesthésie là-dedans, dans ce monde. Pas d'anesthésie et elle va souffrir, elle va sûrement hurler. Les deux ils sont trop fragiles, ils vont pas y arriver, donc il va falloir que je me fie à Bartholomé, quitte à ce que ça leur fasse pas plaisir, parce que Bartholomé s'amusait à disséquer des trolls vivants pour essayer de trouver et d'observer leur pouvoir de régénération. Chose qu'on n'a pas vu dans cette partie parce que ben, ça s'est pas passé. Je suis arrivé trop tard, je pense. Et voilà. Allez, Bartholomé, est-ce que tu es prêt? Tu vas avoir besoin de toi. Là, il va falloir que tu sois solide.
Merci de m'avoir invité à vous rejoindre, j'espère que je pourrai vous être utile. C'est parti. Il me semble que je viens de sauvegarder, mais au cas où. Voilà. Je suis sûr maintenant. Allez, mettons-nous au travail. Puissera-t-il guider ma main? Que sa reine Rae nous vienne en aide. Ok, donc on l'a sous forme de livre. Très bien. On va faire un peu de lecture et je pense qu'on va s'arrêter après parce qu'il est 20h37 et le temps de lire tout ça, je pense qu'il sera à peu près 50. Avec un regard nerveux en direction des divers instruments chirurgicaux, la brave paysanne s'est redressée sur la table d'opération. Allez-y, Molo, c'est tout ce que je vous demande, a-t-elle supplié d'une voix tremblante. De leur côté, les éminents experts présents dans la pièce n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord sur le protocole médical à observer. Arrêtez de batailler à la fin, quand on crache du sang, c'est que le problème vient des poumons. Commençons donc pas là, insistait Jode. Non, c'est sur la nausée qu'il faut concentrer, examinons l'estomac, objectait Tristian. Pour une raison ou pour une autre, Bartholomé le magicien sadique avait lui aussi été convié. Ben, c'est moi qui l'ai amené, quoi. Il mourait dans le silence, il prenait le pouls de la patiente. Dans l'impasse, les prêtres se sont tournés vers le baron d'un air désespéré afin qu'il arbitre le conflit. Après mûre réflexion, il a décidé de demander conseil à Bartholomé. Nous n'arrivons jamais à rien en suivant le protocole habituel, dit le magicien d'un air sentencieux. Employons plutôt les grands moyens. Il a aussitôt sorti un parchemin de son sac et sonnellement jeté un sort sur la patiente. Jode a eu recours à sa vision magique, en espérant déceler d'éventuels changements dans l'organisme de la courageuse paysanne. « Ça y est, ça a marché » s'est-il exclamé d'un air joué. « La magie a disparu de tous les organes, excepté l'estomac. »« Vous avez raison, mon ami. Vite, passez-moi le scalpel. » Pauvre dame. Pauvre dame. La lumière des bougies se reflétait sur les instruments chirurgicaux et les flacons de potions, à la seconde où Jode a pratiqué la première incision. J'ai entendu la patiente inspirer bruyamment entre ses dents serrées. J'avoue volontiers ne pas avoir eu le courage d'assister à l'opération. Ah oui, c'est Lindsay qui parle, c'est pour ça. J'ai aussitôt détourné le regard, ce qui m'a pas empêché de frémir au gré des hurlements. L'odeur âcre des potions médicales emplissait la pièce, et Tristian marmonnait des prières visant à atténuer les souffrances de cette pauvre femme tout en auscultant son organisme. S'il te plaît, arrête de merder. Voilà. À l'aide de la magie. Pour ma part, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que prier en silence. Mais le baron, lui, ne s'est pas laissé démonter. Il a... Alors, soit maintenu la femme, assisté Jode dans son opération pour en lui passant les instruments en plongeant le surplus de sang, en épongeant le surplus de sang et en administrant les potions de soins nécessaires à la patiente, aidé Jode en lui indiquant la procédure la plus rapide et efficace pour mener son opération, mais bon, voilà... A pris la main du patient dans la sienne et s'est mis à lui parler au creux de l'oreille afin de tenir son attention à la douleur, lui faire de la SMR quoi. De façon la plus cruelle que soit, en tuant la patiente sans autre forme de procès. Alors il la faut vivante parce que sinon le parasite j'imagine qu'il meurt donc. Ok donc il a 14 donc là c'est un jet facile. Mobilité c'est un jet assuré et je pense qu'en vrai c'est celui-là qui me convenait le plus. Connaissance de la nature, tu devrais peut-être lui couper le bras en fait. Ben non. Et diplomatie, moins 2. Oh, le diplomate est négatif, je sais même pas comment illustrer ça en fait. Le gars, il vient vendre un produit, imagine, le gars, c'est un vendeur, il vient te vendre un produit, il finit par soit il te paye pour que t'achètes le produit, soit il finit par t'acheter quelque chose, tu vois. Bon, non, mobilité. On l'aide au maximum, on essaie de soigner la patiente avec des potions j'en ai plein de toute manière. C'est parti. L'intervention a permis à Jode de se concentrer entièrement sur l'opération chirurgicale. La pauvre femme ne cessait de pousser des hurlements déchirants, et j'avais peine à imaginer ce qu'elle devait endurer. Quel imbécile je fais à finir par s'acclamer Jode. Vous aviez raison, heureusement que nous vous avons écouté. L'opération terminée, Tristian a refermé la plaie ouverte dans l'estomac de la femme à l'aide d'un sort de soin, et Jode nous a montré son étrange récolte. On aurait dit une sorte de graine de la taille d'un pouce. Et son sein palpitait d'une étrange lueur intermittente. En son sein palpitait. Pas son ibar, excusez-moi. Avant que nous puissions réagir, un éclair a subitement jailli. Par chance, Jode a lâché la graine juste à temps, car à l'endroit où elle a atterri, un portail est apparu. Et un monstre en est sorti, en poussant un rugissement bestial. Ah non, mais je peux pas tuer un oursibou tout seul en fait!
Ok, il est stun. Ok, ça va aller. Ok. Jod essuie son front couvert de sueur, sans prendre garde au sang qui macule ses mains. Erastil et Senrare sont loués. On peut dire que les dieux étaient de notre côté aujourd'hui. C'est un véritable miracle. Tristian tend un linge propre à Jod. Ce dernier se ressaisit. Il essuie ses mains à son visage. Eh bien, qu'avons-nous appris? Nous savons désormais que je ne suis pas un imbécile pour trop sûr de lui et que Tristian avait raison depuis le début. Je sens désormais que je ne suis qu'un imbécile. Ce n'est pas une maladie, mais un parasite d'origine végétale, semble-t-il. On dirait qu'une sorte de graine. Je suis navré, mon ami. J'aurais mieux fait de tenir ma langue et de vous écouter. Alors, n'en parlons plus. J'ai eu de la chance, voilà tout. Je ne mérite pas de ces louanges. Êtes-vous en mesure de soigner les autres malades à présent? Oui. À présent que nous savons quoi chercher, nous pouvons extraire ces graines en minimisant les risques et la douleur pour les patients. Et qu'allez-vous faire maintenant? Il reste encore de nombreux patients à traiter. Nous allons nous mettre au travail immédiatement. Quant à vous, votre grâce, vous devriez songer à chercher l'origine du mal. Nous ignorons toujours d'où viennent ces graines et comment elles s'introduisent dans l'organisme de leurs victimes. Mais je sais, c'est la nymphe, ce con là, putain. J'aurais mieux fait de pas l'aider, quoi. Mais bon, on peut pas avancer l'histoire principale si on l'aide pas, donc bon. De nouveaux malades débarquent chaque jour, et combien d'autres périssent avant même d'arriver à l'hôpital. Il ne suffit pas de guérir ces malheureux, nous devons éradiquer le mal à la racine. Ok, je dois y aller. De grâce, trouvez l'origine de ces graines de malheur. Ouais, mais d'abord il y a du loot, attends. Hop là. Ça va, Matla? Ouais, c'était moins une, effectivement. Ok, on va se barrer alors. C'est parti. On va se barrer. Est-ce que je peux faire mes trucs, s'il vous plaît? Oui, je sais, tu me réclames, mais voilà, à la base, je voulais faire ça. Je ne suis pas venu... les mains vides. Le couteau, comment c'est intéressant, mais pas de vous, votre grâce. Alors, 900 balles de jetons de la dryade, 400 de vieilles pièces des cyclopes, 900 de pièces d'identification. Il manque encore toutefois certains de ces 5 objets, donc je ne sais pas ce que c'est. La grotte aux gemmes, très bien. Par contre, j'ai trouvé les morceaux de nos vieilles artefacts, pouvez-vous les réparer? Me permettez-vous? Cette pièce de métal calcinée provient d'un artefact étrange appelé le collier de Féloni. Je perçois une histoire très mouvementée, non remplie de gestes héroïques, mais d'actes malveillants. Retrouvez les 7 fragments et je pourrai restaurer cet artefact. Je l'ai pas restauré? Ah si. Ah, vous avez trouvé tous les morceaux du homme du pionnier, incroyable. Laissez-moi le restaurer, j'ai tellement hâte de découvrir son histoire. Ces fragments, ils provenaient autrefois du bracelet du chevalier Sylvanien. Ce serait un honneur de pouvoir le restaurer cet artefact pour vous, je suis sûr qu'il serait très utile. Nous pourrions peut-être découvrir son histoire, mais vous deviez réussir à assembler les 10 morceaux. Ok. Parmi de l'anneau du courage intrépide, vous avez remarqué les traces métal fondu ici et là, c'est la chance, c'est un Saint-Valentin. On vous tourne le dos, les conséquences ont été extrêmes. Si vous retrouvez 12 fragments, ok. Notre femme a été sombrée dans un oubli éternel, ses lambeaux de cuir proviennent de la cape des âmes vendues, je ne discerne pas, et c'est une histoire complète. On a trouvé le reste des 15 morceaux, putain. Pff. Je ne suis pas sûr que vous souhaitiez l'entendre, très bien. L'embout de l'armure de vaillance, un pot de smilodon, une relique, ok, donc c'est autre chose en fait. 16 fragments, toujours plus. Le gant de commandement intergalactique, pff, ça pète un plomb. Un cadeau venu d'un autre monde, un trésor tombé du ciel, il reste enfoui dans un... Et comme j'aimerais bien... Donne le pouvoir. En revanche, si vous décidez. 17 morceaux, oui, toujours plus. Reforge-moi le homme du pionnier, hein. Vas-y. Merci, cela va l'être un de mes plus beaux ouvrages. Je vais insuffler une petite partie de mon pouvoir dans ce homme, pour que vous puissiez entrevoir sa légende par vous-même. Ok, donc j'ai perdu les artefacts nains. Et j'ai pas l'histoire? Donc j'ai plus les bouts de casque, très bien. Et j'ai ça. L'homme du pionnier, ok, bon.
Ce homme confère une RD, donc RD, un truc de défense, j'imagine, je sais pas trop. Contre les attaques à distance, moins 10, enfin 10, moins contre les chutes de pierre et lancer de rocher, et permet de vous lancer des sorts espoir et désespoir foudroyants une fois par jour. Il confère également un bonus esquive de plus 3 à la CA et un bonus d'intuition de plus 3 au jeu de sauvegarde contre les géants et les gobelinoïdes. Très bien. Et là, j'ai quoi? J'ai sagesse inspirée. Je m'en fous un petit peu, la sagesse en vrai. Il est ridicule. Ridicule. Comment ça, le bandeau de sagesse me donne plus 1 de défense? Ah, j'ai la défense qui est basée sur ma sagesse, d'accord. Bon, bah tiens. Elle a l'air tellement con. Pardon. Et j'ai gagné ça aussi. L'anneau de chance. Cet anneau confère un bonus de chance de plus 1 au jet de sauvegarde. Ah, anneau de chance. Bah, il y en a déjà eu en fait. Ouais, faut moi j'ai soigne. Ok, bon. On va aller s'occuper de ça et on va dormir en suivant si il faut dormir. Peut-être pas, mais peut-être que si. Alors, invasion de monstres. Bon, ça c'est fait. On s'en est occupé. Il reste 2 jours, très bien. 2 jours ici aussi, très bien. Ouais. Attends, j'ai 10 000 balles tout rond. Ah ouais? Incroyable. C'est quand même incroyable. Ça, je pense que c'est un objet de quête, mais j'arrive pas à savoir. Est-ce que, du coup, j'ai pas 2 baguettes similaires à vendre, non? En vrai, les baguettes, je vais les poser aussi. Voilà. Et ben, c'est pas très lourd, c'est surtout ces bouteilles-là qui pèsent énormément. Ça, pareil, je n'utiliserai jamais, ça vaut cher. En plus, je pourrais le vendre, je pourrais tout simplement le vendre. Allez, on va se reposer. Du coup, ça veut dire qu'il restera... un jour. Du coup, puisqu'il y en avait 2, logiquement. Hop. J'ai tellement faim. Ce soir, ça va être méga sandwich. Donc, je pense qu'on va passer la journée. Il sait quoi? On a quoi? On a feu de tout bois. Les citoyens sont inquiets pour la sécurité. Il faudrait soit l'un, soit l'autre. Très bien. Ok. Et jusqu'à quand pour le faire? J'ai jusqu'au 1-4. On est le 21-2. Et là, j'ai jusqu'au 1-3. Donc, lui, il faut que je le fasse vite, en vrai. Donc, lui, il va être... On va passer la journée. Attends, j'ai un truc en haut là. Je l'ai jamais vu ça. Les autochtones sont terrifiés depuis que les terres sont devenues repères de toutes sortes de monstres. Un grand nombre d'ours, hiboux et de vouivres sont apparus dans la région. Il a réussi. Plus 3. Au chevet des pauvres et opprimés. La région se préoccupe. Putain, c'est résolution de crise. Très bien. Ok, très bien. Et donc là, on a quoi? On a le joueur, une créatrice féerique qui est arrivée dans la région et semble plus que tout aimer les jeux d'argent. Ce roublard incite les gens à jouer avec lui et les dépouille de leurs économies à tel point qu'il traîne un chariot rempli d'or qu'il a déjà gagné été avant qu'il ruine toute la région. Ok, donc c'est Jubios qui s'en occupait, donc là j'ai le temps pour le faire. Véritable chef-d'œuvre, nature morte aux zestes de citron. Je m'en fous, c'est de la merde. Résurgence de bandits. Donc celui-là, il faut que je le fasse vite, par contre. Celui-là, on va y aller. Et feu, tout bois. On va attendre. Ok. Projet. Accord commercial, je ne peux pas. Accord commercial, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Et ça, je peux. Mais ça me fait passer 14 jours. Et ça, c'est pour renforcer les compétences de Jubilost. Et ça, c'est... pour Arim, et ça c'est pour Cassil, et ça c'est pour Cassil, et ça c'est les accords commerciaux. Ok.
Il faut 225 PC. Mais attends, mais c'est pas normal. Je suis censé. J'ai l'impression que je perds plus de PC que ce que j'en gagne par semaine. Comment ça se fait? Admettons, j'ai 10 000 balles. Bon, faut 225, je peux en acheter 124. C'est pas assez, il faut que j'annexe, il faut vraiment que j'annexe une nouvelle zone. Bon, on va faire un projet du coup et on va. On va soutenir les projets de Tristian. Et puis voilà. Donc vu que ça fera que 2 jours qu'il est dispo. Donc ça c'est fait, rang 3 au niveau de la loyauté, très bien. Ouais, j'ai beaucoup d'économies de militaires, loyauté et communauté, mais j'ai très peu du reste. C'est normal à peu près. Donc lui il a réussi. Donc 100 PC, très bien. Très cool. Et c'est tout. Ok, là j'ai beaucoup beaucoup de trucs à faire. À la recherche d'Ivar, tu vas faire ça. Ça coûte 30 PC, très bien. On commence. Renforcement, les compétences, on s'en fout. On va partir sur les événements plutôt. Conseil vous attend. Très bien. Lindsay a une suggestion. Très bien. La sirène et la rivière. Ok, on va voir. Ici, apparition de monstres. Donc ça, c'est pour le cinquième mois. À cinquième mois aussi. Cinquième mois. Cinquième mois. Il y a tout qui se fait avant le cinquième mois? Non, il y a ça. Hein. Le 1-4. Donc ça, faut le faire de suite. La sirène de la rivière. 90% de réussite. Go. Très bien. Donc ça, on a le temps. On a un petit peu le temps. Région. Je peux. Ah, j'ai toujours pas assez. Les marches générales, je peux aussi annexer les terres de Cam. Les terres de Cam qui sont ici, du coup. C'est ça. Ça serait ça. Donc ça serait même pas au niveau du lac. Ça serait juste ce qu'il y a là. Ce que je n'ai pas encore exploré, en vrai. Parce que j'ai exploré quoi? Ça. Ça j'ai exploré, mais j'ai pas exploré ce qu'il y avait en dessous. En vrai, ici c'est pas exploré. Bah, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui YouTube. Désolé. Désolé, désolé. Bon, allez, les conseillers m'attendent. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Que me veulent-ils? Qu'est-ce à dire que ceci? Je voulais vous parler de quelque chose d'important. C'est pas facile à admettre, mais depuis quelques temps, la baronnie s'est tellement développée que j'ai du mal à faire face. Je vous en prie, soulagez ma charge en nommant quelqu'un d'autre au poste de conservateur des arts et de l'éducation. Ah bah oui, bien sûr. Je me sens déjà plus léger, j'ai également d'autres nouvelles. Je suis sûr que celles-là vous plairont. Comme vous le savez, notre voisin, le Galt, a sombré dans le col depuis des années. Ses dirigeants, qui changent toutes les 4 matins, détruisent tout ce qui va à l'encontre de leur doctrine du moment, y compris les savants et les créateurs. Mais l'un d'eux a récemment réussi à s'enfuir pour venir trouver refuge chez nous. C'est l'éditeur d'un journal dont les locaux du Galt ont été incendiés suite à de fausses accusations de calomnie. Il souhaite venir s'installer dans notre capitale et en échange de notre protection, il propose d'ouvrir une nouvelle imprimerie chez nous. Il a fui le Galt en emportant les plans de sa presse et il est prêt à se mettre au travail dès que vous lui donnerez sa permission. Je trouve que c'est une excellente occasion de faire coup double en obtenant notre propre journal tout en aidant un innocent à refaire sa vie, qu'en dites-vous? C'est vrai qu'on a déjà l'imprimerie de Lindsay. Hein. Lindsay édite des livres, pas des journaux. Et je doute que ces gens, ce genre d'entreprise l'intéresse. En revanche, s'il s'agit de la spécialité de notre ami du Galt. Oui, vas-y, paye 100 balles, putain. Formidable! J'envoie sans attendre un messager prévenir ce pauvre diable, afin de l'informer de notre décision. Vous devez le sauver, un autre malheureux du désespoir. Hein. Ouais, 100 balles! 100 balles, putain! Je fais 3 bâtiments complets avec ça! 3 bâtiments! Qu'est-ce qu'il y a, Lindsay? Du coup, t'es pas contente? Bonjour, votre grâce. Quelle impression étrange. C'est incroyable de pouvoir discuter en toute simplicité avec un baron. Je voulais vous parler d'Ekun. Je m'inquiète un peu pour lui ces derniers temps. Enfin, j'exagère peut-être, mais je trouve encore plus sombre que d'habitude. Si c'est possible. La vie doit lui être très difficile sans sa famille. Cela dit, il n'est pas complètement seul. Il nous a, à nous. Je sais qu'on ne remplacera jamais les siens, mais on doit lui rappeler qu'on est là. Et qu'il peut nous parler. Et tu vas en venir où? Voilà où je veux en venir. On devrait organiser une fête, un banquet et profiter de l'occasion pour lui parler à cœur ouvert. Si on l'invite simplement à boire un verre, il refusera probablement. Il faut donc tout organiser en secret. On va rassembler des invités, préparer les victuailles, faire venir avec une et passer
un excellent moment. J'apporterai même mon luth, qu'en dites-vous? Alors. Je connais pas trop le personnage. Mais je pense que si on fait un énorme truc pour lui, et vu qu'il est dans le mauvais mood complet parce qu'il a perdu sa famille, donc sa femme et ses filles, qui se sont fait éclater devant ses yeux, je pense faire qu'il ait forcément envie de faire la fête, tu vois. Mais bon. Chaotique, bon, vous avez raison, je ne supporte plus le visage triste des Kun. Il est temps de l'égayer un petit peu. Merveilleux, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Je te pêche, toi. Pardon. J'ai parlé à Elina, l'aubergiste. Elle nous aidera avec grand plaisir. Entre-nous, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi elle fait preuve d'une telle enthousiasme. Quoi qu'il en soit, vous devriez aller lui parler. Quant à moi, je vais réfléchir au morceau que je jouerai. Oh, une dernière chose. Ne soyez pas en retard. Le temps presse, je le crains. Si on veut avoir une chance de rendre le sourire à Ekun. Ouais, ok. C'est-à-dire que c'est un truc timé, qu'il va falloir que je le fasse assez vite, c'est ça? Ah. Dragne. Dragne s'incline et tousse discrètement dans sa barbe. Votre grâce, j'aimerais m'excuser. J'ai peut-être été un peu direct lors de ma dernière visite. C'est que j'ai mauvais caractère, vous savez. Dans les montagnes, on me surnommait le Ronchon. Et je pensais vraiment pas que ma requête serait prise au sérieux. Les demandes des étrangers sont rarement exaucées, même quand elles sont légitimes. Enfin, sachez que j'apprécie votre honnêteté. Ouais, donc lui, il voulait récupérer les terres, parce qu'on avait bâti un truc sur les terres des nains, etc. Grosso modo, on lui a filé la forge. Donc c'est sa terre à lui, quoi. Je vous prie d'accepter ceci. C'est le fruit de nombreuses heures de travail. J'espère que vous en trouverez l'utilité. Arnois en écaille de dragon. Mais oui, mais bien sûr. Assieds-toi à côté, prends ma chaise si tu veux, vas-y. Pour être honnête, c'est de la belle ouvrage. Mais on est loin du chef-d'œuvre véritable. Ces pièces uniques sont le fruit d'une vie d'expérience. Bref, passons. J'ai pensé à un moyen d'utiliser notre relique familiale pour servir votre gloire. Mais je vais avoir besoin de vous. Venez me voir si ça vous intéresse, je vous en dirai plus. Merci pour le cadeau. Ok. Oh yeah. Mais putain, mais... Bonjour. Je suis venu vous dire que ma petite échoppe se portait bien. Les gens aiment tellement leur souverain qu'ils se disent « Le vieux Boken est un très bon chimiste, il le parent, personne ne lui achète des potions. » Tenez, acceptez ceci en remerciement. Une potion de déplacement, c'est quoi? C'est un truc qui me TP? Si c'est le cas, c'est cool. C'est bon? Merci. Il faut que je fasse ce truc pour Ekun. Il faut que j'aille voir Boken pour lui filer les 3 livres, parce que j'ai enfin les 3 livres. Ça, voilà. 11 d'armure, très bien. T'as combien toi? T'as 11 parce que t'as un Arnois plus 2. On va lui mettre ça parce que du coup elle a... Déjà elle a beaucoup... Bon, hormis... hormis son casque, elle a beaucoup plus de gueule avec ça. Sauf si... Parce qu'en termes de CA c'est la même chose. Ah, elle peut pas le mettre. Ah, c'est la seule qui peut le mettre. Ok, bon on va le mettre alors. Hop. Et le Arnois elle peut pas le mettre elle non plus. Très bien. Le loup ne peut pas s'équiper. Bon. Eh bien écoutez, c'est vraiment pas mal tout ça. C'est vraiment bien. C'est vrai que c'est frais. Quoi? Ta gueule. Bon. Oui, je voulais voir Ekun Dayo. Parce que là, j'ai la saison de la floraison. Très bien, festin à fourrer. Il faut faire vite. Mais il n'y a pas de temps, donc on est bon. Attends, mais il m'a parlé de soulager son travail. Peut-être que je peux avoir un nouvel administrateur. Du coup, c'est ça. C'est peut-être ça, le truc. Attendez, attendez, on va faire ça de suite, on va voir. Oui, merci. Oui, merci. Ok. Ah, j'ai un nouveau poste qui s'est déverrouillé. Très bien, conservateur. Et là, j'ai quoi? J'ai Lindsay qui peut être conservatrice. J'ai le compteur qui peut être conservateur. Contrôler. Et dominé. Lindsay, j'aime bien. Ouais. Plus 6, c'est pas mal. Le compteur est à plus 5. Et ouais, on va mettre Lindsay. Allez, en vrai. Lindsay, la nouvelle conservatrice. Du coup, est-ce que en termes de trucs, elle peut faire des choses là?
Ah, elle peut s'occuper de ça. Très bien. Le joueur, elle peut pas s'en occuper. 75, on va mettre un point de crise. Très bien, on va passer à 100% pour être sûr. Ce serait bête qu'elle rate sa première truc. Allez, commence-moi cet événement. Donc je peux soutenir le projet du conseiller, très bien. Et du grand prêtre. Arim, donc. Est-ce qu'ils sont tous occupés? Il y a Octavia qui est pas occupé, hein. Et merde, elle fout quoi là? Projet, voyons voir. Conseiller. Donc le conseiller c'est Tristian. Ça c'est Cassie. Le grand prêtre c'est. L'autre ça c'est. Voilà. Ouais, j'ai pas de. J'ai pas de mission pour Octavia, très bien. Si, je peux annexer les trucs, c'est vrai. Mais j'ai pas assez de thunes. Je suis à 50 PC. Donc j'ai une mission pour Octavia, mais j'ai pas les thunes. Ok. Ok, ok. J'ai très faim, je pense que je commence à faire bouffer. On va se mettre devant la taverne. Pour se rappeler de ce qu'il faudra faire la prochaine fois. Sachant que, spoiler, je m'en rappellerai pas. Hein. Et puis on va y aller. Putain, ça fait déjà quelques minutes que j'aurais dû arrêter en vrai. Donc je vais m'arrêter de suite. Je vais aller. Ouais. Je sais même pas si j'aurai le temps d'aller à la taverne. Je pense que d'ici quelques secondes. Oh putain. Arrête de hurler, écoute-moi. J'essaie juste de te faire entendre raison. Tu me convaincras pas, Love. C'est chez moi ici. C'est là que je suis né. C'est là que je finirai mes jours. Mais t'es borné, ma parole. C'est bien ce que je dis. Si tu restes, tu mourras, alors que ton heure n'a pas encore sonné. Tu comprends donc pas ce qui nous attend? Des monstres, des gobelins, des brigands? Relâche ta garde un instant. Et l'une de ces atrocités te sautera dessus, la gueule encore fumante des entrailles du voisin. Et toi, tu parles trop. Travaille, prie, reste-t-il, reste à côté des tiens et t'éloigne pas trop de chez toi. C'est tout le secret, quand on a quand même connu pire. Hein. Oui, quand t'étais deux fois plus jeune et que tu peux encore... Que tu cours encore les filles. Eric, mon vieil ami, pense à un génie. Pense au petit. Imagine qu'une bête vienne frapper à la porte. Tu es bûcheron, pas guerrier. On doit quitter la baronnie tant qu'il y a encore temps. Et reste-t-il pitié, votre grâce. Pardonnez-nous, votre grâce. On parlait des récoltes. Pas du tout. Je comprends que vous craignez pour votre vie. Comme... Ah oui, mais diplomatie, je suis en moins 2. Ah putain. Faut que je fasse un jet parfait pour l'avoir. Mais écoutez, moi, je ne parviendrai jamais à débarrasser ce royaume du flot qui s'affiche sans votre aide. Mes braves et loyaux amis. Décidé de rester, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre un terme à cette calamité. Évidemment que j'ai raté. Comme vous voudrez, votre grâce. Bon. Ça change rien, j'ai juste pas d'XP. On peut aller à la taverne? C'est pas ça la taverne. Citoyen, vous auriez du feu. Qui êtes-vous? Votre pire cauchemar. Là-dedans, il y a quoi? Un coffre. John! Oh, il est vénère. Oh, je suis rentré chez eux, je vais voir le coffre et je fais « Yes! J'ai réussi !» T'es qui, toi? Arsinoé. C'est qui? Une femme vêtue d'un riche vêtement en broderie dorée vous salue et donne d'une révérence courtoise. Ses yeux, dont la couleur évoque l'or en fusion, illuminent son visage au teint bistre. Mes hommages, noble suzerain de ces terres. Arsinoé, pour vous servir. Je suis une messagère du temple d'Abalar et d'Absalom. Je suis venu ici en pensant que les habitants de notre jeune baronnie auraient besoin d'un service d'une prêtresse. Je me réjouis de rencontrer une autre âme marquée par le sang céleste. Vous êtes une Azimar, comme moi du coup. Cela va de soi, comme le nez au milieu de la figure, n'est-ce pas? Oui, je suis une Azimar, encore que j'ignore toutes les circonstances qui ont permis au sang céleste d'apparaître dans ma lignée. De tous mes parents ayant cette connue, je suis la seule à en avoir hérité. Et je dois dire que je m'en félicite. Ainsi, je ne passe pas inaperçu. Ce qui est fort utile pour une prêtresse cherchant à rassembler une congrégation. Donc oui. Je lui vends ça. Très bien. Et elle vend des parchemins. Ok. Parchemin. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis en train de piller. Je devais aller à la taverne, putain. Je papillonne. Ce jeu, c'est terrible. C'est pour ça que les jeux du style Skyrim et... c'est quoi ça, c'est pas là, ok.
Skyrim, j'imagine que si je joue à Witcher 3, ça sera exactement pareil. Et salut! Salut Nathan Lennon. Bienvenue. J'arrête là en fait. J'arrête maintenant. Je me mettais juste devant la taverne pour arrêter. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Où en es-tu? Parce que là, moi j'ai pas mal avancé aujourd'hui. Il s'est passé pas mal de trucs. Il s'est passé pas mal de trucs. Non, en vrai, il s'est rien passé. J'ai quand même avancé. Allez. On va s'arrêter là pour. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ben ça va, fatigué. J'ai fait une nuit blanche, j'ai fait une petite sieste de 1h de 11h à midi et j'ai fait une sieste de 3h30 de midi et demi jusqu'à 16h. Et là je crève la dalle parce que j'ai pas mangé depuis hier soir 20h. La trésor des nains, la soupe d'oignon. Ça me dit rien ça, la soupe d'oignon. Ouais, non, la soupe d'oignon, ça ne tient du tout. À la femme qui... Putain, mais j'ai l'impression que t'as pas du tout la même partie que moi. La femme qui veut des... qui veut des impôts, une route. C'est moi, j'ai un nain qui est venu me voir comme quoi il était sur mes terres. Je lui ai filé ses terres. Ah oui, d'accord, oui, avec Olaf. Oui, t'as dit merde à la. Oui, ok. Ok, très bien. T'as dit merde au seigneur Aldori, du coup. D'accord. Ok, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est quand même eux qui t'ont filé les terres et c'est quand même eux qui t'aident à. Tu cherches la merde. Tu cherches clairement la merde avec les autorités, toi. Ils peuvent raser ton pays, hein. Sache-le. Ta baronnie, c'est rien pour eux, donc. Non, moi, avec eux, j'ai fait la diplomatie. Je leur ai dit, écoutez, on en discute et puis on va voir. Le roi, non, même pas. T'es pas roi, t'es baron d'une terre qui leur appartient. Enfin, qui appartient à personne, mais qui veulent choper. Enfin, tout le monde veut choper ta terre, en fait. Donc, t'es au milieu de tout le monde. Alors, moi, j'ai joué la diplomatie avec eux et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, Oleg va me payer des impôts en moi, je crois. C'est bon. Où tu peux acheter des cordes? Aucune idée. Aucune idée. Je les achète pas, moi je les trouve toutes et au final je m'en sers pas souvent donc bon. Aucune idée. Mon brave ami. Ah ouais? Non mais moi j'en ai, je crois que j'en ai encore 5 sur moi. Ouais, c'est ça. Depuis la dernière fois j'en ai 5 et j'ai pas. Je l'ai pas utilisé quoi. Quand j'ai trouvé cette clé et je m'en suis jamais servi. J'ai peut-être crocheté la porte que je devais ouvrir avec ça, et c'est pour ça que je l'ai sûrement encore. Ouais, potentiellement. Bon, j'ai plus de thunes, hein. J'ai plus de thunes, j'ai tout passé dans les PC pour améliorer les villes. Et... Compliqué. Ouais. La route marchande des nerfs, ouais, donc... Ouais. Ouais, la grosse statue de Thorag, ouais, je vois. Ouais, il y a un trésor dedans, ouais. Et t'as besoin d'une corde pour y aller? La soupe à l'oignon. Ah, d'accord, c'est ça le trésor? Ok, bah je l'ai fait alors, du coup, j'avais juste oublié qu'il y avait une recette de soupe à l'oignon à l'intérieur, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que je pourrais te montrer ma map, hein. Ah non, ça serait du spoil. Hein. Enfin, du spoil. Non, pas forcément, parce que, bon... Tu vas pas forcément voir tout ce qu'il y a. Mais, enfin, tu, même si tu vois les zones, tu t'en fous, quoi, parce que tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, la map, j'ai commencé à explorer pas mal, quoi. Là, j'ai attaqué un nouveau coin, aujourd'hui. On peut pas dézoomer plus. On peut pas dézoomer plus. Grosso modo, j'ai fini tout ce qu'il y avait ici. Tu peux pas passer la rivière, en fait. Un événement qui t'empêche de passer la rivière. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, là. Je peux pas explorer plus là-bas. Ah oui, j'ai trouvé ça, il faut que... On m'en a parlé pour une quête, il faut que j'aille. Et donc j'ai fait ça, et là j'ai fait tout le haut et tout ce côté-là, et je suis en train de faire ça en ce moment, actuellement. Et ça c'est chaud, en termes de bataille. Ça se passe, mais ça c'est chaud. Et en vrai, il faut que j'aille là, le sanctuaire de la Machetou, pour la quête que je viens d'avoir. Bon. Alors, mon territoire de base, c'est les terres retrouvées. Donc là, il s'appelle Val Défense parce que c'est le nom de base qu'il a. Mais on est sur les terres retrouvées. Voilà. Après les terres volées, les terres retrouvées.
voilà, je savais pas comment les appeler. Au début, je voulais les appeler l'octogone, etc. Mais bon, je suis pas dans la violence, donc bon. Allez. Je suis désolé, mais il est 21h11. Ça fait au moins un quart d'heure que j'aurais dû arrêter. Il faut absolument que je m'en aille. Donc, c'était très cool. Désolé de pas rester quand t'arrives. Je te fais de gros bisous. Ah, t'as planté, t'as rien compris. Comment ça t'as... les terres retrouvées. Et bonne nuit. Non, il faut que j'aille faire à bouffer d'abord. Et après, j'irai au lit peut-être. On verra. Si je ne stream pas ce soir, je verrai. Donc bref, voilà. Allez. Merci d'avoir suivi. Merci pour YouTube aussi d'avoir suivi. Je vous fais la grosse bise. Et je vous mets sur l'écran de fin de live. Et à la prochaine.